Mettez dans cette épreuve la fidèle majority. Qui fait son apparition fidèle majority associé à Mathéo de S de Vaux. C'est sa première compte de l'après-midi. Et voilà parti donc pour ce prix. Je capris des entraîneurs. Une course à plate sur la distance des 1000 mètres. Alors qu'on s'est tout de suite emparé du commandement au centre du peloton. Avec la casaque de Brooklyn Swarm Varinia, adepte de la course en avant, qui a l'avantage. Alors qu'on vient en seconde position avec Fidel Majority, Ayam Zoro, c'est pas loin du tout. Karaoke et Valon est au centre, le même que Brunel Gekorn, qui n'est pas loin du tout. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant et pas de changement notable en tête avec Brunel Gekorn, avec Brooklyn Swarm Varinia, maintenant qui tente de contenir l'assaut à l'extérieur. Et bien le Brunel Gekorn qui va tenter de venir progresser notamment. Et on est complètement à l'extérieur avec Justin Les Tunnels. Ou encore Jubilé des Vallons qui va également tenter de refaire du terrain. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final. Et la lutte fait rage en tête avec maintenant Fidel Majority qui va tenter de venir attaquer le dealer. Brooklyn Swarm Varinia et bien la Corona des Vallons. Qui vient à l'extérieur maintenant, les concurrents même que JBD des Vallons, les concurrents qui sont maintenant en mode sur le disque final, avec Brooklyn Swarm Varinia qui face aux attaques à Ian The Boss, alors que côté Core, on vient de mieux en mieux également, avec Corona des Vallons qui n'est pas loin du tout, les concurrents qui sont maintenant aux avant du proto avec Brooklyn Swarm Varinia, mais avec la bonne accélération maintenant de la Kazakh Lesguer qui va s'imposer dans cette épreuve, c'est le numéro 3. Karaoke Les Vallons qui va signer un succès pour la Kazakh Lesguer et la montre de Céline Ayer-Fouchard qui est venue mettre tout le monde d'accord.